Saturday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters. Le 8 mai 1945, le premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, annonce la fin de la guerre. All German land, sea and air forces in Europe. Un jour mémorable est toujours présent dans la mémoire des gens qui ont vécu cette époque. Le lendemain de l'annonce, dans les rues de Buckingham, on fête le grand jour. Je me rappelle la fin de la guerre de 1945. Je me rappelle, j'étais élevé sur la rue principale, puis j'étais justement dans un magasin qui s'appelle, à l'époque, le 15 cents, le 5-10-15, mais on appelait ça le 15 cents. Donc, tout d'un coup, les cloches de l'église ont sonné, puis tout le monde sont sortis des magasins dans la rue avec les bras dans les airs, puis ça criait, la guerre est finie, puis tout le monde s'embrassait. C'était une journée que j'ai jamais oubliée parce que l'impact que ça a eu, évidemment, la fin de la guerre, c'était terrible, hein, cette guerre-là. Ils nous ont demandé d'aller pour la parade dans les rues. Je me souviens que les hommes de Kemekul, ils avaient pris... À Kemekul, les hommes portaient des salopettes blancs pour travailler dans ces poudres-là. Là. Mon beau-frère, c'est ça qu'il y avait. Et puis, les hommes, ils ont dit « Hi Hitler! » Quand ils ont vu ça, ils ont pris une tête de cochon. Ils avaient pris une tête de cochon, puis ils l'avaient mis pour faire la tête. Après ça, ils avaient fait rempli la salopette de linge, de toutes sortes de linge pour venir à bout de faire un corps. Puis c'est ça qu'on voit dans la photo. C'était les camions d'un coup qu'on avait. Ils s'étaient paradés dans Buckingham, montrer que la guerre était finie, que là, le monde aurait moins de misère qu'on a eu. Parce que c'était pas un cadeau dans ce temps-là. Le monde, comme il y avait de la misère, on n'avait rien.